Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est 17 janvier 2023. C'est le moment pour nous entrer dans le détail information. Mais bien avant que nous disions merci, c'est là qui toujours été ensemble avec nous, avec nous, qui pourrait rejoindre nous et qui pourrait faire partie des familles. Ça abonné à Sofia TV 83 ou pas rater aucune vidéo n'a posté sur channel là. Information a été connectée sur sa capacité en Haïti. Directeur Konatel là, Jean-Marie Guillaume Moui, journée lundi qui était 16 janvier 2023 dans l'hôpital États-Unis. Après on source bon famille directeur a été malade à qui ont maladie cancer qui était dans un niveau très avancé et il était quitté Haïti dans mois décembre pour tal prendre soin dans l'hôpital États-Unis mais pour l'instant qui pas retourné en Haïti et qui sur tombé après gros maladie ça qui t'a frappé le bon repas bon actualité arrêtée mesdames messieurs dans ça qu'a passé la police continue à faire opération par-ci par-là plusieurs bandits en bas code et la ville Gonaïve en pile ZPT. Opération la police te mené dans la base Bois Calais et gagné yon Canadien parmi yo. Nous parlons tout dans ce qui gagne avec le prophète Berger. Pourquoi il est là? Avocat a parlé et c'est gros gagne dans le pays. En pile moun a demandé pour qui raison la police t'a mette yon moun inoffensif tant que le prophète Berger en bas code. Et si vous te campé ou met chita, cause yon en pile. Nous allons faire un grand virage dans le pays d'Haïti suite à tout dernier détail qu'a brassé Bill Peya dans affaires et informations. Directeur général Konatel n'a parlé de Jean-Marie Guillaume qui mourit hier lundi dans le pays États-Unis. Mais écoutez que un ancien directeur lui-même il t'a souffert. Alors directeur Jean-Marie Guillaume t'a souffert avec une maladie depuis plusieurs années. D'après éléments d'information que proche lui et fait connait Jean-Marie Guillaume qui dit même ce qui connaît la famille qui a crié départ Jean-Marie et Guillaume qui quitté yo après le film passé plusieurs années a souffert avec maladie ça que famille a été souhaité que lui-même lui rester encore pour lui capable faire quelque chose avec la famille mais malheureusement Jean-Marie Guillaume lui-même mais la mort est passée et prend lui j'aime toujours qu'on elle ben ou le pour fête ou le pour vivre et dernière étape lancer la mort c'est avec un pile la peine à niveau conseil national télécommunication qu'on a tel lundi matin suite à que nouvelle la mort directeur général Boitsa Jean-Marie Guillaume qui est perdu la ville hier lundi dans l'hôpital États-Unis dit gain 64 l'année et sous tête li d'après encore éléments information yo côté l'étape souffrir avec en pile l'étape souffrir avec maladie si là qui je rend qu'il perdit la ville hier lundi encore n'a pas appelé Jean-Marie et Guillaume c'est directeur Eco Natel boîte si là on dit conseil national télé et communication alors aller dans question phénomène insécurité a gain fusillade dans commune qu'est-ce qu'on fait lundi on a gros âme sous moto louvi coup de balle sous mon Carrefour Saint-Jacques bilan yon moun moui plusieurs moun soti blessé selon yon agent exécutif intérim Kenskofio Jean Massillon premier citoyen commune sa mandé la police porter attention sur Carrefour Saint-Jacques ça qui déjà subi plusieurs attaques à bandi l'état peut prendre la question collaborateur nous bien ça Aristine et puis moi j'ai responsable commissariat dans l'hôtel pour me capable informer de ça qui passé hein. Effectivement yo confirmé que tu gagne un fusillade qui fait Fermat. Et d'après dernières informations que moi gagné de juge de paix qui était sous place, et au fait qu'on ait gagné trois mondes qui blessés par balle, et puis gagné un monde qui mourit, non, trois mondes qui blessés par balle, yo, gagné une fille avec deux garçons là-dedans, et mon garçon qui prend balle tout qui décédé. Et nous déplorer ça qui passe là, et nous, oui, c'est parti, nous bâillons les familles qui mourir, et nous, souhaiter que l'autre monde qui est blessé soit capable de rétablir rapidement. Et nous tout profiter de l'occasion pour nous capable de lancer un appel à responsable de la police pour permettre que nous ayons attention soutenue avec Carrefour Saint-Jacques. Parce que zone ça a fait troisième fois qu'il y a un constat qui peut arbitrer contre les populations dans la zone Fermat. Côté que yo campé puis et moto passé individu que yo pas arrivé identifié descend et puis et signer cartouche sur mon yo et nous souhaitons action ça yo pas reproduire encore et nous souhaitons que la police prend toutes mesures nécessaires pour permettre que yo capable sécuriser population pour être yo capable qu'elle fermate et yon façon plus stricte pour empêcher Zach ça yo reproduire encore. Il y a une responsabilité par eux, il y a une attribution par eux.
la police là pour protéger et servir la population. Même en tant qu'autorité et responsable dans la commune, nous là pour permettre que nous sommes capables de collaborer avec la police, de partager l'information que nous gagnons, pour permettre que nous sommes capables de mener à bien les missions qui se protéger et servir. Et nous gagnons de bonnes collaborations avec la police. Et c'est ça qui fait une fois que nous avons l'information, nous avons tiré directement commissaire là, et pour permettre qu'il soit capable de prendre toute disposition, pour permettre qu'il soit capable de arriver sur les lieux, et pour capable garder ça passé, pour permettre qu'il soit capable de prendre toute disposition de conseil avec la police, pour capable qu'il y ait une patrouille fixe et dans la zone fermée, pour permettre que nous soyons capables de vaquer avec en toute quiétude avec l'activité. Et nous pensons qu'il y a une enquête et supposée diligence rapidement pour permettre qu'il soit capable d'identifier ou bien capable de jouer des formations pour connaître comment l'action s'est fait passer dans la zone fermée. Voilà, ça c'est déclaration magistrat à commune Kesquaflan. On a parlé de Massillon. On a venu toujours avec information et sécurité. Côté, on a pris la police à faire qu'on est. Il y a le troisième chef gang Bois-Kaléa qui trouvait la Gonaïve. Après définir ses voies balles dans le cadre d'opération, la police a mené. Monsieur est à rendre dernier soufflé. Lirele Markinson Tilus alias Kekin, le troisième chef gang Bois-Kaléa. C'est ensuite connexion avec gang Koukouat sans race. Mais il faut qu'on ait que Markinson Tilus. Monsieur Tal prend soin à l'hôpital, dans l'hôpital qu'il est la Providence dans Gonaïve. Après, elle était fine blessée par balle dans quatre opérations, tête ensemble que agent Udmo Latibonite avec brigade intervention. Commissariat Gonaïve t'a mené dans la nuit qui était 13 pour l'ouvrir 14 janvier 2023 dans une zone qui est Troussable, une localité dans la ville Gonaïve. C'est dans le moment ça que Mackinson Tilus, sa troisième chef gang Bois-Kaléa, après elle recevoir balle. Mackinson Tilus, ensemble avec six plots accolés libres, dit Parelli, te gete kou échappé, mais plusieurs nan yo te touché en babal, mais Mackinson Tilus te parmi nan moun sa yo qui te kou al prendre refuge li dans l'hôpital Lester, et la police qui te posé la patte sous citoyen ça encore et li rend dernier souffle ailleurs d'après élément information bon côté autorité et policier yo. Décès la mort quinquennan nan li vin augmenter lisse nek qui te fait partie groupe gang Bois-Kaléa que la police te rive mortellement blessé qui fait kounyan capable di gen 5 nek qui tombé en bas coup de la police dans base groupe gang qui est Bois-Kaléa. C'est exactement Mackinson Tilus qui vient prolonger liste bandit qui mortellement blessé dans l'opération de la police amenée pendant le week-end. La nuit qui était 13 pour l'ouvrir 14 février passé dans zone ça et qui l'a janvier, plusieurs 14 janvier. Ah, janvier 13 à 14 janvier 2023. N'a toujours été sous même dossier ça. La police n'a bon pour libérer dimanche 15 janvier dans zone Moléa. Deux otages bandit et kidnappé puis saisi trois armes là d'ailleurs. Yon fusil M4 à deux pistolets. Bandit yon tena route pour entrer dans base avec victime yon. Parmi yon yon propriétaire hôtel. Là yon allé croisé bab pour bab avec backup BI bon et pour qui t'a fait check routine sur route là pour tenter échapper pour lui bandi yo tiré sous policier yo qui était obligé riposter dans échange coup de zame gayon na bandi yo et les Jerry qui blessé mortellement l'autre yo même malgré gain yo qui blessé yo rivé sauvé. Toutefois, la police a récupéré machine là qui s'est entourée au talent cruiseur avec deux motocyclettes. Dans machine là, police a rejoint deux plaques qui immatriculées AA65533. Badi Aurélie et Jerry qui tombaient malheureusement en échange à coup d'âme avec la police. C'est un membre actif gang Canara qui spécialise dans détourner camions, marchandises, vol, cadjac, enlèvement, etc. La police nationale a continué à renforcer présence dans la rue et puis demandé collaboration tout le monde dans longue bataille contre banditis à kidnapping. Avocat Jean Gonzalez Théodore, tout le monde connaît son nom, prophète berger moderne, prend les forces citoyennes à la police, a été arrêté depuis samedi an, avec banditis pour enquête, c'est ça, il reprochait prophète berger, selon maître Ossini, faire juste qui minimiser reproche ça, il dit qu'il pas même, il y a une infraction, parole avocat qui a défendu Jean Gonzalez Théodore, tout le monde connaît son nom, prophète berger moderne, en côté avocat qui sait Ossini faire juste. Il y a eu une tension, c'est qu'il y a lorsque mon œil est dans le commissariat, après 2 à 3 heures de temps, nous sommes capables de non, mais de motifs dans les stations. Le motif là, il mettait c'est acte de banditisme pour enquête. Vous voyez, c'est ça seulement nous, ouais. Rapidement, que nous avons retiré l'enjeu de paix, nous verbaliser, constater, cahier,
de constater la présence physique qui pouvait être BG, qui Gonzalez, donc la mission en tant que commissariat pour notre métier. Effectivement, bien temps, le commissariat qui nous a posté à nous hier, et après ce matin, que nous présente encore une fois, les aïe ton monde. Bon, c'est samedi, dimanche, lundi, jeudi, et actuellement, c'est déjà midi, il y a un filet, donc pas gagné en rien qui peut faire dans quatre choses. Comme que nous, encore une fois, notre troisième jour, nous connaissons bien que la loi dit c'est 48 heures qu'après l'arrestation d'une personne, qu'elle soit présentée pour devant son juge naturel, et donc que les juges naturels n'est autre que les juges d'instruction qui saisissent pourtant les affaires, et bien, ni commissariat, et bien, ni parquet de police. Et à présent, vous faites le garder en tant que commissaire en garde à vue, et à présent, pas gagné une audition qui fait, pas gagné rien. Comme dans le troisième jour, nous y est, que nous avons attiré ça et les pour l'opinion publique. Nous avons suivi le dossier jusqu'à présent pour nous répondre au cours de journée. Est-ce que nous avons passé à audition pour faire plan? Nous avons passé à audition pour nous qui motif que nous déjà mis nous dans la prochaine. Parce que le motif là, c'est l'acte de banditisme et enquête. Il ne pas oublier que dans le code pénal, nous n'avons pas de peine qui est pour l'acte de banditisme. Lorsque vous êtes reproché pour acte de banditisme, ça c'est une infraction. Une infraction, c'est un motif quelconque, vous capable de dire qu'il y a accessoire, mais il nous faut quand même un motif principal. C'est-à-dire que lorsque vous faites acte de banditisme, il y a une infraction qu'on met. Et c'est une infraction, ça va le faire qu'on est capable de peine qui est retenue par la loi. Et nous dit qu'il n'y a pas de peine sans loi. Et après, c'est ça qui nous retenu. Et nous déjà qui étions alertés par quelqu'un au prince, à savoir Jacques Lafontaine. Voilà, on tape côté avocat, prophète Berger n'a toujours été avec avocat qui t'ébaille que raison qui fait et prophète Berger était dans périmètre Sean Masla avocat démenti parole qui fait quoi prophète Berger était sorti dans village de Dieu dans moment arrestation le maître fait juste préciser client lien tape descend Sean Masla pour bailler en conférence dans plusieurs dossiers tant coup dossier pasteur Amel Lafleur en côté avocat qui exigeait libération, la pressée, en côté intervention au signifère juste. Pour maintenant, Zim de la ville dans l'arrestation, c'est qu'il a rendez-vous avec des journalistes qui l'ont fait des conférences pour que le descendant Sean Mas ait une conférence au Boisasma. Qui a fait oublier, c'est concernant le dossier Pasteur Amel Lafleur. Tout le monde connaît qui fait pour l'état d'huile. Et moi, avoue quand je vais conférence sur ce dossier, qui me dit, et façon que je prends sanction contre Pasteur Amel Lafleur, son sanction prend justement. Nous venons avec information ça pour nous concernant. Et liste ou bien non juge, ça qui certifié, ça qui kembe dans le système là, et ça ou pas kembe dans un système là. Extrait registre numéro 2, ça, page 501, bien 510 tout, procès verbal, compte rendu et résolution, Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, CSPJ. Procès verbal, pendant on dit, le vendredi qui était 13 janvier 2023, nous, Jean-Joseph Lebrun, président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, ensemble avec conseiller Carves, Jean Durin, Junior Duret, Wando Saint-Villiers, Nader Désir, Evans Fils, c'est parmi nous qui était assisté par secrétaire technique Jean-Robert Constant. Ils ont été réunis dans l'hôtel El Rancho dans Pétionville, dans le cadre d'une retraite professionnelle qui était réalisée, sortie 11 pour arriver 13 janvier 2023, vu avec pour capable statuer, décider sous statut 69 dossiers. Qui t'est venu joindre, que commission qui t'a traversé sous ça, t'es voyé, bah, ensemble responsable commission technique, certification, t'es voyé sous question pour certification magistrat, t'es voyé, bah, ensemble, un dit de responsable dans CSPJ. Avec réaction, parce que pas oublier, il y a un pile acteur qui déjà commencé à réagir. Nous commissaire gouvernement Jacques Lafontaine. Oui, Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui n'a dit ça, ben, il réagit sous ça. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, fait connaître CSPJ, pas gagné aucun pouvoir sous commissaire gouvernement, yo. Même Jean, yo gagné sous un juge, yo. Chef paquet Port-au-Prince fait connaître les papes démissionner parce qu'elle pas jamais impliqué dans la corruption. Chef paquet Port-au-Prince mettait personne à défi pour velter dans la corruption. L'élogé de l'histoire, ancien ministre Bertrand Dorsey, ancien ministre de justice, maître Bertrand Dorsey, qui, d'après lui, cachait des manœuvres ça pour évoquer à cause de refuser de libérer plusieurs monde pour les côté Jacques Lafontaine.
Et m'a dit que d'abord, CSPJ Gongou doit le regard sur les magistrats debout. Droit de regard a fait que, comme magistrat debout, commissaire gouvernement, yo, leur propriété serment, c'est pas au devant doyen, tribunal côté a peu exercer compétence. Donc, ils sont obligés de joindre feuille de route et m'a dit CSPJ pour être capable de prêter serment par devant doyen. Et maintenant, le rôle du CSPJ se limite à ça et à ça seulement. Je reprends. Les magistrats debout, ils n'ont pas sous l'obédience CSPJ. Ils ont un droit de regard sur eux par rapport avec la loi créée là. Et loi ça a fait obligation pour le commissaire prêter serment par devant le doyen du tribunal où le commissaire exerce sa compétence, son pouvoir. Et que, et partant de ce principe, il faut le prêter serment devant. Et il y a un ordre de route avec doyen pour capable ordonner prestation et recevoir prestation serment commissaire. Donc maintenant, pour raison ça, yo, et que nous fait complot, yo, voulez mettre dehors. Mais m'a dit que, puisque commissaire yo pas sujet au règlement de prestation serment, de certification CSPJ, d'ailleurs, pas jamais certifié commissaire. Mais m'a certifié, yo. Donc ces magistrats, assis, yo certifié. Donc, pour que ça redire, ils viennent avec une baguette magique comme ça. Maintenant, je suis prêt à payer le prix de mes fautes. Mais c'est si me fait faute, frère. C'est si me fait ombre. Et me dit, l'âme fière et le front haut. Et m'a baillé l'exemple que si, bien, on fait réel ou reproché, qui fondait ma porte, me baillé parquet, commissaire, qui a placé moi pour me mettre dans la prison. Et pour juge, capable, excuse ou camouin, ou bien, on condamne, puis j'ai peine, ou bien, on blanchit. Et me dit, ça me dit, ma faire. Mais faut que le réseau soit valable, faut refonder. Voilà. Vous pensez que c'est un dossier politique, commissaire? Mais bien sûr, les politiques, et moi-même, je pense que, en tant que, moi, nous sommes une bonne fonction officielle et politique, m'a exercé, je suis représentant de l'exécutif dans le judiciaire, et que maintenant, je ne suis pas assujetti encore une fois au règlement de certification du CSPJ. Alors, nous connaissons. Donc, qui attend-nous dans le dossier, ça? Attends-moi, c'est que le CSPJ doit se ressaisir pour qu'à jamais, il ne soit jamais en train de certifier magistrat de Bouillot, parce que je ne dois ça. Alors nous connaissons le commissaire, on va gagner un mandat, donc qu'est-ce que ça va frustrer Mario? Mais bien sûr, il n'est pas capable de frustrer l'homme. Moi, je me suis dit que je ne vais pas démissionner encore. Je ne vais pas faire. Et maintenant, je m'a révoqué, mais il a révoqué bien. Faut révoquer bien, il a révoqué bien. Ça a reproché, mais on a demandé pour deux degrés de corruption. Et c'est moi-même, c'est moi corrompu. Ah, moi corrompu, qu'on y a, monsieur. Vous voyez les nègres qui passent en femme là, tout le monde va qui passé, je ne vais pas attendre tout ce qu'on dit. Ah, moi corrompu, Jacques Lafontaine. Bon, n'a dit que je suis un gros toute la presse à la caille. Bon, on a la presse. Suivez-moi, on a les. Ma paye comme machine pour tout le monde, comme moto. On a la même la caille. On a les. Pour nous, on a les films de caille. On a les mêmes châteaux. J'ai 27 ans, on a même passé ça, moi, ça m'a dit là. J'ai 27 ans dans l'administration publique. Grâce à Dieu, je me fous qu'on lit moi-même. On lit. Ça m'écrit au bon, ça m'a dit au bon. Bon, comme si je n'ai pas caille, mais monsieur, femme de bâton. Pour me faire mon caille pour 30 000 dollars ici, pour mettre me shooter des M et puis pour mettre tout slip, d'ailleurs. Toujours avec le commissaire et gouvernement Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement Port-au-Prince, continue de voyager bien loin. Dossier libération de Mexicains, chef paquet capital, la voyager tout parole, c'est yo. Jacques Lafontaine, était libéré de Mexicains, c'est yo. Suite à une lettre ministre Justice époque là, Berto Dorsey était voué Bali. Ancien ministre l'a demandé, l'a révoqué plusieurs mounes à coup pour être capable de libérer plusieurs mounes à coup sur la familia. Quatre policiers pour être libérés tout qui était impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse. Parole, commissaire gouvernement Jacques Lafontaine, un peu plus de détails. Étonné, attendez que yo ta écarté dans certification. Alors, c'est pour deux raisons fondamentales, parmi tant d'autres, par gain fondement. D'abord, yo dit me libérer deux Mexicains en drogue, qui sont au cas qui vit de Port-au-Prince, pour l'argent. ADM paquet qui transfère pour ses malversations connues de tous dans paquet, lui dit que me volait tout corps de lit paquet. Yo. Et me répondre, me dit, par une note de dénonciation. Conseiller, ministre d'Orsay monnayé pour capable et influencer de leur conseiller pour capable camper en face moi dans baisa, c'est parce que justement yo te gagné à contance yo monnayé par le ministre d'Orsay et qui lui-même te demandé des bagages pour me faire pour lui me faire yo tout comme ça. Attendez un moment. Maintenant, première raison c'est que ces raisons dit les drogues l'ont libéré de Mexique, c'est pas vrai, c'est faux, ça chiffon. M'a répondre. Moi exécuté un arrêté pris en conseil des ministres que me fait se déposer là dans CSPJ. Moi exécuté un arrêté pris en conseil des ministres sur l'initiative du ministre d'Orsay par lettre ambassadeur Mexique la te voye Bali. Il te mandé mais le gouvernement prend un arrêté d'expulsion. Il voye dim faire suivi arrêter ça pour que monsieur soit capable de la caillou. Et moi, voyez dans prison un ordre d'extraction,
moi dit mettez moun sa yo à la disposition de la DCPJ pour les suites administratives. Même temps dans la rue, yo dit Bertrand c'est de prendre $200,000 dans mes mexicains yo, mais moi pas connait tendez m'tendez même pas connait parce que m'pas manger la donne, m'pas joindre la donne et m'pas besoin la donne tout. Maintenant, je suis prêt à payer le prix de mes fautes, mais c'est si me fait faute frère. Si me fait ombre et me dit l'âme fière et le front haut et m'a bail l'exemple que si gagon bagaille on fait réel ou reproché qui fondé m'a porter même bail parquet qu'a commissaire qu'a remplacer moi pour mettre dans prison et pour juge capable est-ce que sous ca moi ou bien condamné puis j'ai peine moi ou bien yo blanchi moi et me dit ça me dit m'a faire mais faut réseau valable faut fondé en mais enquête pour mener sur tout. Et bien, on dit que madame conseillère, il était tronqué la madame Massillon, Douane Massillon, dans CSPJ, ça on dit oui. Yo dit, yon ben madame l'autre, yon non ben madame l'autre dans place l'autre. Madame n'y pas de niveau académique nécessaire, madame conseillère des Yonader, il mettait le comme consultant CSPJ, il pas de niveau académique, il pas de pièce. Donc, soit vous et je vais aller pour pièce, faux pièce manquant, vous et madame à l'avant, parce que madame pas de pièce pour te faire le consultant dans CSPJ. Il demande de me libérer, son la famille Mbafel, il demande de me libérer, Angela Estime Mbafel, il demande de me libérer dans l'audience sur le bénéfice de la loi de l'espinasse, la croix Mbafel, et que maintenant, tant d'autres bagages encore. Il demande une conclusion favorable. Non, on demande de me lever sous quatre policiers qui n'ont dossier président Mbafel. Ok, il fait l'autre monde ferme Mbafel. Actuellement, je ne parle pas de policiers. Yo coupable de ça au prochain. Si on parle pas si on parle contre le cabinet, d'accord. Mais pour, parce que c'est le cabinet qui te fait droit, qui te fait demander en me lever. Comment on est ministre pour cabinet fait demande en me lever. Ça n'a pas de sens. Et ça me dit là. Et par contre, je me dis, chaque fois que je me dis, tout le monde m'a dit là. Audio jump.